Yo tout le monde, c'est Kylian, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour tamer notre ami le Megalania. C'est, je voulais le tamer, du coup je suis pas toute seule, je suis avec Anto pour le coup. Comment tu vas Anto? Ça va bien et toi? Bah ça va, ça va. Donc du coup, alors je voulais vraiment le tamer, qu'on regarde un petit peu. Et je voulais qu'Anto il soit là pour qu'au moins on soit deux dans la grotte. J'ai pris les manticores, ok, j'ai un petit peu triché, j'ai pris les manticores pour le coup. Parce que c'est vrai qu'elles passent dans les grottes et elles sont bien cool. Donc je vais vous lire vite fait les caractéristiques du Megalania, puis après on ira le chercher dans sa petite grotte. Donc le Megalania, alors c'est Mourouspède à la base le nom. Alors on va juste l'appeler Megalania, ça sera très bien. Et parmi l'une des plus grandes créatures trouvées à travers les réseaux de grottes complexes de l'île, atteignant jusqu'à 3 mètres de long. Il peut s'accrocher verticalement sur les parois de la grotte avec peu de difficulté grâce à ses puissantes griffes. Heureusement, la taille du Megalania signifie qu'il est fort probable de le voir arriver. Malheureusement pour les spéléologues, c'est une créature agressive et dangereuse. Comme les autres Varanidés. Alors attends, Varanidés. Je sais pas ce que c'est Varanidés. Bah, je crois que c'est comme le lézard, un truc du genre. Oui, je pense que ça doit être ça aussi. Le Megalania est une créature venimeuse. Son poison est à une action lente, mais videra la force et la santé de sa victime jusqu'à la mort. À moins guéri par un antidote rare. Cela dit, les proies du Megalania sont généralement déchirées bien avant qu'il ne succombe aux effets à long terme du poison. Domestication, la capacité extrêmement rare du Megalania à grimper sans effort sur les murs en fait une créature très recherchée. Bien qu'il soit loin d'être le plus rapide, le plus fort ou le plus dur à monter, la façon dont il peut facilement grimper dans les caves et les montagnes signifie qu'il aura toujours une place dans les écuries de toute tribu avancée. Et la nourriture favorite de notre ami le Megalania est la croquette de baryonyx. Croquette de baryonyx que nous n'avons pas, donc du coup on ira à la viande. Et matériaux pour la selle, donc ça c'est bon, je l'ai crafté, on est banco. D'ailleurs je me demande si je vais pas le foutre dans ma manticore, pour être tranquille. Alors regardez, on a tout sorti, on a sorti le petit peuple, on a les darts, moi j'ai ma dream machine. J'ai, là par contre je sais pas si ça va servir à mon arbalète, je ne pense pas, c'est pas les fléchettes qui vont faire quelque chose. Mais on sait jamais, sinon je prendrai mon petit fusil avec les darts dedans. Je verrai bien. Et d'ailleurs, vous avez été nombreux à me dire... Attention, il y a un dragon. Vous avez été nombreux à me dire, Kiki, c'est fini. Les mises à jour de Dino, il n'y en aura plus. Là, je suis très déçue et mon cœur est très triste. Parce que je me lassais pas de vous présenter des dinosaures. Et j'adore ça. Et j'adorais découvrir de nouveaux dinosaures. Je pense que par la suite, dans Ark, ils vont en implanter des nouveaux. Mais pas tout de suite. Je crois que les mises à jour tous les mois, là, c'est terminé pour nous. Du moins, en termes de dinosaures, je pense que ça y est, c'est fini. Je vais pas vous mentir, je suis vachement triste en fait que ça soit la fin des grosses mises à jour de dinosaures. Après, je m'y connais pas personnellement en dinosaures à l'époque et tout ça, mais je pense pas qu'il y avait que ça comme dino, je pense qu'il y en avait d'autres. Et du moins, j'espère fortement. Ensuite, une autre annonce à faire. Je vous avais parlé du coup de mon arrivée sur le serveur Nexus RP. Donc ça y est, chose faite. Je vous mettrai le lien dans la description. Il y aura toujours... En fait, quand tu auras une petite vidéo Arc ou Arc RP, il y aura toujours un petit lien dans la description pour envoyer vers Nexus RP. Donc pour moi, c'est tout nouveau Nexus RP. Quand je tourne cette vidéo, on est jeudi. Et le lancement de Nexus RP se fera vendredi entre 20h30 et 21h. Donc la plupart du temps, je vais faire des vidéos sur Nexus RP. Mais si je viens jouer le week-end, en fait, je ferai carrément des lives, soit sur Twitch, soit sur YouTube, on verra, de toute façon, vous serez prévenus sur Twitter. C'est pour ça que c'est très important de me suivre sur les réseaux sociaux, parce que c'est là où je donne le maximum d'informations, en fait. Donc pour moi, c'est tout nouveau, ça va être un nouveau délire de faire du RP sur Ark, mais je pense franchement qu'on peut bien se marrer. On descend, hein, je te le dis. Hein. Bienvenue dans la caverne des horreurs, les amis. Recule. Qu'est-ce qu'il y a? Il y en a trois juste devant, au plafond. Ah ouais? Ouais. J'aimerais bien les voir. Oui, bah alors, t'avances au bord et tu recules tout de suite, hein. S'il y en a un qui regarde dans l'autre direction. Attends, il y a une ombre qui se rapproche. T'essaies, hein, pour les endormir avec la manticore. Bah oui, je crois, oui. Bah on va tester. Tu veux tester? Écoute, c'est à toi l'invité, hein, donc tu vas y aller en premier. Bon, tu suis aussi, parce que sinon ce serait conçu lourd. Ouais, je m'essaie à chaque fois. Comme ça, je le fais avec toi. Attends, il y en a... Un, deux... Ah non, il y en a qu'un. Ah, il y en a qu'un? Attention! C'est... Oh! Déjà? Non. Oh la vache, non! Je peux rien faire. Pourquoi quand je fais ça, il s'en branle? Ah, c'est bon. C'est... Et je vais faire C. Attends. Fumiste! Ah, oh, j'ai mis une cartouche, moi, tu vas voir. Hein. Attends, fais attention à toi, en dos. Oh! Tu prends tout au pied de la lettre, hein. La musique, pourquoi elle continue? Je sais pas. Fais attention à toi quand même, hein. Oui, puis ça descend vite, hein.
Excuse, mais... Mais t'es malade. Mais tu préviens quand on fait ça, c'est incroyable. Excuse-moi, mais des centres vite. Par contre, il la mange pas. Mais lui, de la viande, tout coup. Donc il était tout seul, ils étaient pas du tout trois, comme tu me disais. Non, mais en fait, tu vois, il était sur le machin, là. Sur le truc au plafond, là. Ah, et vu qu'il y avait l'effet de réverbération... Regarde, oui, viens où je suis. On dirait un système tech. Mais regarde, quand tu sautes. T'as vu? Il se passe... Ah non, c'est moi, pas je le vois. Saute. Non, non, moi je le vois bouger depuis tout à l'heure. Non, mais c'est un système tech, hein. Ça pue la cave tech. Fais attention, Ah, tes calculs sont bons. Oh ah non, non. Oh, oh. Par contre, t'auras pas peur, il y a une langue de serpent. Oh la vache. Attends, vas-y, je m'enlève. Vas-y. Je mets la selle, mon capitaine. Ouais, il a une langue de lézard. Hein. Où est la selle, mon capitaine? Peut-être dans Queen. Attends, j'en regarde. Affirmatif. Ah. Non! J'ai pris la viande pourrie au lieu de prendre la selle. Il m'a piqué la selle, le salaud. Reviens, parle. Faut que je me calme. Hein. Non, non, non. Oula. Attends, il a de la torpeur et tout, là. On va regarder. Alors, attention, clic gauche. Regardons ensemble. Yeah. Clic droit. Rien du tout. Donc, est-ce que le clic droit, ça aiderait pas pour moi qui monte? Maintenant, c'est... Rien du tout. Clic droit, si c'est comme le chien, enfin je sais plus c'est quoi son nom, tu peux monter sur les murs avec, ouais. Halt, il a collé haut. Ouais. Essaie de sauter en même temps. Ah, pas con. Bah oui, tout simplement, la touche espace, Kiki. Oh la vache. Oh, oh si je tombe, je vais m'éclater la gueule. Eh. Qu'est-ce qu'il y a? C'est mon pigeon. Oh, arrête, abruti. Et Spider-Man, le bordel. C'est pas espace, hein. Ah bah tu m'étonnes. Et attends, c'est quoi le clic droit? Oh! Oh, c'est pour sauter du plafond et faire une attaque ciblée, je pense. Alors attends, le C. Et du coup, attends. Attends, du coup, espace. Voilà. Fais shift. En courant, en avançant. Pour voir si... Ah oui, il speed sur le mur. Et si tu fais clic droit, je pense, en regardant une zone, tu fais une attaque ciblée. Ah, pas con, alors attends. Je réessaye, on retente. Oh, le truc, il monte n'importe où, hein. Voilà, donc admettons je vais te regarder toi. T'es où? Ah c'est là. Attends, y'a un bug. Quoi? Attends, musique épique. C'était rien. Y'a un bug. Quoi? Bah en fait quand je fais pour le regard. En fait quand je fais première personne. Ah mais si je suis sur. Oh la vache, ça donne la gerbe. Alors attends. Ah. Oh, pas mal. Vas-y, à ton tour. Espace, ouais. Tu fais un ouais. Coup, espace. Voilà. Oh, bah, Oh. T'as vu? C'est trop, ça donne trop la gerbe. Maintenant, on voit comment Spider-Man peut voir les gens. Non, là, je suis normal. Fais espace. Ah, oh, il a ses pattes qui se rétractent un petit peu. Ah oui. Il y a une rétraction des patounes. Ah oui, c'est griffe. Ouais, regarde. Regarde. Extension. Élection. Comme il lève la tête aussi, c'est débile. Grave. Il est où, Michel? Il est où, Michel? Eh bon, on a Michel. Ah, il est vraiment beau, hein. J'ai bien envie de montrer un petit truc, là, avant de se laisser. Un petit bonus. Ah ouais? Un petit bonus à quatre roues. Mais oh, de laguer, putain. Oh, la vache. Oh, putain. Alors, attendez. Oh, dites-moi, je peux le faire. Allez, salut! En fait, là, ce que vous voyez là, c'est que ça a été implanté. Il n'apparaît pas dans les engrammes pour le moment. Il n'y a rien qui apparaît dans les engrammes. Ah, et moi, il y a les roues qui tournent toutes seules. Attends, on va fermer la porte avant. Chauffeur! Et en fait, du coup, bah voilà, on s'est dit qu'on allait le tester. J'ai appris ça aujourd'hui. Et je me suis dit, allez, vas-y, ça va être cool de le tester. Dégage! Tu fais quoi? Mais t'es malade? Viens! On va faire un petit tour. Oh là là, le bordel, le cauchemar. Et moi, je lag avec ce bordel, par contre. Moi, attends, c'est on va dans de la plaine, les oreilles. Là. Bien, on va dans de la plaine, là. Oh, ça roule bien, là. Oh, oh, ça passe à travers les arbres et tout. Oh, je sais pas où je suis. Oh, mets-toi en première personne. Je suis coincé. Ben, moi, la même. Venir m'aider. Attends, parce que là... T'es où?
Ah, je te vois là-bas. Ok. J'ai fait le truc le plus improbable. T'as fait quoi? Oh non. Ah bah tiens, bah moi je te regarde et puis je fais un peu pareil. Attention, je vais te charger. D'accord, ok. Alors attends. Quel chargement. En fait, j'ai des rollbacks et tout. Attends. Oh, oh regarde, j'ai tué un compi 110. C'est pété ce machin. Regarde, 170 le compi. Mais je suis toujours bloqué. Hein. Attends. Ah, c'est bon. Oh la vache, le bordel. Ah, il fait un bruit d'enfer par contre. Hein. C'est affreux le bruit. Regarde, attention. Merde. Je voulais faire un, tu sais, oh. Je voulais faire un, tu sais, un dérapage. Oh, elle m'a saoulé le bruit. Elle sort de là. Allez. Hein. Ah bah en même temps, on est sorti. Oh, ça fait du bien. Arrête, qu'est-ce que tu fais? Mais t'es mais arrête avec ton putain de fusil à pompe là. Mais t'es arrête, je te dis. T'es complètement malade. Oh, c'est résistant hein. Mais oui, arrête. Regarde, il se barre sans nous. Grave, il glisse. Allez, bon, écoute, on va se laisser sur cette image. Regardez, on se met pile devant. Oh oui, merde, il se barre. Arrête, tu con. Ah mais t'es con quoi. Mais arrête. Donc du coup on va s'arrêter ici mes petits loups pour cette vidéo. J'espère en attendant qu'elle vous aura vraiment plu. Attends, je crois qu'il a vu les bagnoles, il a marqué what. Attends, il est où? Non, c'est parce qu'il a vu Yura TV was destroyed. Ah d'accord, ok. Donc du coup attends, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Qu'est-ce qu'il fait l'autre? Il veut essayer de me défoncer. Ah non, c'est bon. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, si vous voulez voir plus de choses comme ça. Dégage. Moi en attendant, ça m'aura bien fait marrer. Avec le petit Mégalania, j'aurais pas pensé faire une vidéo comme ça à la fin. Et franchement, ça m'amuse bien. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.